Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super. Je vous en ai pas parlé la semaine dernière, mais j'ai ma mamie que j'aime d'amour, que je vais voir assez régulièrement dans le Jura suisse, qui a fait un AVC. Du coup c'était une semaine très compliquée pour moi. Alors j'ai essayé de le cacher un peu puisque c'était assez éprouvant. Mais bref, là je vais certainement aller la voir cet après-midi à l'hôpital. Je vais devoir affronter la réalité. Ça me fait très mal au cœur, mais c'est comme ça. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Donc, je vais aller la voir tout à l'heure. C'est horrible. Rassurez-vous, elle va bien. C'est juste qu'elle a un peu une paralysie du côté gauche et que, ben, c'est. On ne sait pas si ça va se remettre ou pas. Et ce serait vraiment bien que ça se remette. Bref, du coup, c'est un peu compliqué pour savoir comment ça va se passer à l'avenir en fait. Elle qui aime trop son indépendance et tout, j'espère qu'elle sera pas obligée d'être en maison de MS ou des trucs comme ça. Ce serait nul, mais j'ai peur qu'elle ait besoin de beaucoup de soins. Donc voilà, c'est pas, je suis pas dans une semaine de ma vie très fofolle en fait. Donc je vous parle pas trop parce que il se passe que des trucs assez spéciaux. En fait là, franchement, je vous dis la vérité, j'étais dans une série noire. De un, je shoote un scooter. De deux, il se passe que des trucs trop bizarres. Genre, à chaque fois que je suis ici, il m'arrive des trucs pas cool. Genre, comme si la vie me disait, va vivre dans le sud de la France. Va vivre avec ton chéri. Ouais, je sais. Ouais, voilà, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre, que ma mamie va aller bien, qu'elle va récupérer tout son côté gauche, enfin toutes les facultés de son côté gauche habituel, et qu'elle va pouvoir rentrer chez son amoureux, parce que ma grand-mère, elle a un amoureux, et que je sais qu'elle aime trop vivre avec son amoureux, et elle n'aimerait pas vivre dans une maison de retraite. Donc voilà. Après, me concernant, bah, j'espère que ça y est, après avoir défoncé ma voiture, défoncé un scooter, être resté sans voiture pendant 3 semaines. Avoir eu que des trucs pas ultra cool qui me sont tombés sur la tête. J'espère que maintenant, je vais partir dans une série super positive avec plein de bonnes nouvelles. Je me le souhaite et je vous le souhaite à vous aussi. Bon les amis, je vais faire un petit retour rapide. Ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ça me fait trop mal au cœur de l'avoir comme ça. Il y a pas longtemps, elle était vraiment en forme pour son âge et là, c'est compliqué. Profitez de vos proches, prenez soin de vous, la santé c'est tellement important. Ça me fait trop mal au cœur, j'espère qu'elle va se remettre vite. Je vous fais des gros bisous.